Marseille ne sera pas champion cette saison. Didier Deschamps en a pris acte jeudi, au lendemain de la petite mais importante victoire de Lille sur Sochaux. Beau joueur, l'entraîneur olympien a félicité les plus que probables futurs champions de France. Alors Didier, sans regret ? Les regrets, c'est pas question de regrets, c'est d'abord les féliciter eux par rapport à ce qu'ils ont fait, les joueurs, Rudy Garcia, son staff. Voilà, ils font une très très belle saison, ils gagnent la Coupe de France et là, bon, ils sont pratiquement assurés d'être champions de France. On a encore quand même deux matchs à jouer, dont un samedi qui doit nous permettre de valider à coup sûr la Champions League. Une présence jugée vitale pour les finances du club qui s'apprête à vivre trois années difficiles en raison des travaux de réaménagement du stade Vélodrome qui débuteront en juin. Demain donc, face à Valenciennes, l'OM devra absolument prendre les trois points pour terminer deuxième et puisque l'espoir fait vivre, rester au contact de Lille. Tai Taiwo lui en profitera pour faire ses adieux aux supporters avant son départ pour le Milan AC, mais pas sur le terrain. L'OM, qui avait saisi le Conseil national olympique et sportif français afin de faire appel de son match de suspension, s'est brusquement ravisé ce matin.